Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ulège Library. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble les différentes méthodes proposées par Orbi pour ajouter une référence. Si vous souhaitez ajouter une seule référence, trois possibilités s'offrent à vous. La première est l'ajout automatique d'une référence via un identifiant permanent. Pour cela, il vous suffit d'indiquer dans le champ de recherche un identifiant associé à votre référence parmi le DOI, le PubMed ID, le Scopus ID ou l'identifiant Archive. Pour en savoir davantage sur ces identifiants, je vous invite à cliquer sur les liens présents dans la description. Une deuxième possibilité est d'ajouter une référence manuellement. Dans ce cas, Orbi va d'abord vous demander le titre, le premier auteur et l'année de publication. Orbi vous proposera alors un formulaire de dépôt à compléter en 4 étapes. La troisième possibilité consiste à charger directement votre PDF. Orbi va alors analyser les données qu'il contient et vous proposer un formulaire de dépôt pré-rempli. Soyez attentif à la qualité des données récupérées et veillez à les corriger si besoin. En plus de ces trois méthodes, il est possible d'ajouter une liste de références que vous aurez dans un premier temps extraite de votre gestionnaire de références bibliographiques, EndNote, Zotero ou RefWorks, ou que vous aurez exportée depuis PubMed ou Scopus. Ces différentes méthodes sont expliquées plus en détail dans nos autres tutoriels consacrés à Orbi. Merci de votre attention et à bientôt sur la chaîne Ulège Library.